Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux. Saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets ou plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Miri41 et bienvenue dans un nouvel épisode sur un nouveau jeu Remember Me, donc un jeu sorti vendredi dernier. Et donc on va commencer tout de suite. Alors il faut savoir que ceux qui étaient présents lors du live stream vendredi ont pu voir 1h30 du jeu en avance. Et donc alors je l'avais indiqué sur Facebook et sur Twitter et aussi sur Steam, donc si vous n'étiez pas là, et eh bien tant pis pour vous, il n'y aura pas de rediffusion. Donc on va tout de suite lancer une nouvelle partie. J'ai juste vérifié le son en espérant que le son soit bien réglé. On vérifie si les paramètres du jeu, c'est bon. Hop, l'audio, voilà, c'est bon. Donc j'espère en tout cas que le son sera bon. Ce que j'ai vous... Merde. J'ai fait une connerie, bon tant pis, hop, voilà. Et j'espère aussi que ça va pas planter, parce qu'il y a le jeu à des légers freeze, apparemment c'est un problème connu pour tout ce qui est apparemment ATI Radeon. Donc voilà, donc on va faire une nouvelle partie. C'est ça, et donc on va faire agent héroïste. Donc voilà, donc on va lancer ça, et je vais me taire tout de suite de toute façon, donc... Hop, je lance et je... Ok. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et... On a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon. Ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Nilin. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas.
C'est 2084. Vous savez où vous êtes ? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid ? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Alors hop, donc c'est parti. Alors, pour vous expliquer, alors le jeu, je n'y ai joué qu'une heure et demie, donc je sais pas trop le scénario, mais pour moi, en tout cas, ça me fait beaucoup penser à un film avec Tom Cruise. Alors je peux pas vous dire le nom du titre, enfin le titre du film, parce que ça date pour moi où il y avait une histoire de mémoire, et aussi, comment ça s'appelle, un épisode de Stargate SG-1, ça doit être la saison 8 ou 9 particulièrement, Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé le début, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai oublié de vous indiquer, le premier épisode ne fera que l'épisode 0, qui est un peu le tutoriel du jeu. On s'arrêtera là, donc ça fait peut-être 15 minutes à tout casser. Je m'en excuse d'avance, c'est uniquement pour avoir votre avis sur le jeu, vérifier si ça bug aussi. J'ai remarqué qu'il y a des légers bugs de son, mais bon, ça va encore, j'ai connu pire, donc je m'en excuse d'avance. Hein. Apparemment, le jeu n'est pas très bien optimisé sur PC, en tout cas pour les versions légales, donc bah voilà. Alors, on va faire ce qu'ils nous demandent. Voilà. Merci. Maintenant, levez-vous. Hop, voilà. Ah, franchement, il n'y a pas à dire, le jeu n'est pas moche. Je m'excuse aussi pour les sous-titres. Apparemment, ils sont rikiki, en tout cas sur mon écran, ils le sont. Donc, encore un truc très mal foutu. Donc voilà, alors, je vais m'amuser à déplacer la caméra, voilà. Donc, édité par Capcom, un studio français qui l'a fait. Ça a l'air très, très bien fait, en plus je crois que c'est leur premier jeu. Donc, franchement, ça donne envie de continuer pour le peu. Oui, petit robot, je cours après toi. Hop, oula. Oh là là, mollo. Voilà, désolé. Donc j'utilise aussi une manette hein, pour information, ma manette de Xbox, justement. Voilà. On va s'arrêter 2 secondes. Voilà. Alors maintenant, vous saurez avec ce jeu que il ne faut pas partager ses souvenirs. Donc, Donc ouais, de toute façon là bientôt je vais me taire de nouveau parce qu'il y a une cinématique et tout et c'est pas une phase de gameplay qu'on peut utiliser je crois donc hop voilà. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Un lobotomisateur, bon je déconne. Je spoil la moitié, bon voilà. Vous venez de comprendre je pense. Hop. Chouette. Avancez. Alors. Je crois que je peux le contrôler, voilà. Niline. Voilà, et je me tais. Niline, tu m'entends ? Oui. Ils vont effacer la cervelle, Niline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous ? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Mon Dieu, je suis comme Jeanne d'Arc. Bon, alors vous voyez, le lobotomisateur, hein, c'est super cool. Tu crois que le robot tire ? Pas trop envie de savoir. Ouais, ça récolte pas leur truc. Oula, désolé, petit coup de freeze. Alors. Ça a attiré leur attention. Niline, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Vite, espèce de gros légume. Donc voilà, alors le jeu a pas l'air de... Enfin bon, ça en va encore je pense. Désolé pour le petit coup de ramage. Alors...
Stylé comme robot. Je veux le même. Ok, allez, hop. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Alors rien que le mot coercition, ça donne pas envie de savoir. Il me fait penser un peu au robot dans... Là. Il me fait penser au robot dans Thor, si j'ai le droit de faire la référence. Cours, cours, cours. La vache. Oh là là. Hop, voilà. Le passage sur ta droite, prends-le. Hop. Relève-toi, tu dois continuer. Ok, donc maintenant on est dans les égouts. Ça me rappelle Portal, je suis désolé. Obligé là pour le coup, voilà. Où suis-je ? Alors. Tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil, vite ! Hop, désolé, donc beaucoup de blabla, faut dire, pas trop le choix pour le coup. Hop, on va dedans et je me tais. Me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Écoute, Johnny pleure. Thank you.
douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. L'arme échoua. Sœur, viande. Et pourquoi pas, ami? Je suis pas de la tribu, c'est ça? Ok, donc on va juste faire ça et on se quittera. Alors c'est comment déjà? Oui, c'est A, c'est ça. Je ne veux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Niline. Donc, ces gars te tueront. Les pêches. Pêche. Oh là là. Voilà, donc on va juste voir ça et on se quittera de toute façon. Donc le combat lab, donc c'est ce qu'ils appellent les pré-scènes. Donc voilà, hop. Hop, voilà. D'accord. Donc en gros, on doit gérer tout ça, mais vous verrez ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Enfin, même, on verra ensemble. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, on fait... Hop, on va quitter. Aïe, zut. Donc, vous voyez, système de combo. Voilà, situé, blabla. Vous voyez, et en fait, tout le jeu tourne autour de ce genre de choses. Voilà. Alors, je préviens, honnêtement, je suis pas un expert de la chose. Oula. Et je promets pas de réussir à forcément très bien jouer. Tac. Hop, ils font terriblement penser au chrosome dans Bioshock, ceux-là. Et allez. Alors désolé, apparemment la vidéo rame peut-être un peu, j'en suis désolé, si c'est le cas, ben, je m'en excuse et j'essaierai de trouver les solutions. Des Leapers, des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là? Donc de toute façon, on va se quitter sur ces images pour cette fois. De toute façon, c'était vraiment pour... En plus, j'ai la sauvegarde automatique, c'est nickel. Donc c'est vraiment pour que vous voyez un peu le jeu, à quoi il ressemble, donner votre avis, voir si ça bug à un point que vous ne vouliez plus du jeu, etc. Donc eh bien, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis bonne chance et bon jeu à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Vous connaissez, commenter. Sinon, pour les informations, pour me suivre, Twitter, Facebook... blog de la chaîne dans la description de la vidéo et dans le à propos de la chaîne, voilà. Donc je vous dis bonne chance et bonjour à tous et à la prochaine.